tous les amis, c'est Valmore 333, nous sommes sur Trigon Space Story ce soir et nous allons continuer la campagne des Tyr Tikro bien sûr. Je me rappelle plus où est-ce qu'on en était resté la dernière fois. Alors, on avait un combat à faire apparemment. On était resté sur un combat, très bien. Alors, nous avons un petit clodo de l'espace que nous allons liquidifier. Je pense que ça peut le faire. Il encaisse plutôt bien le sagouin. D'enfer. Je me rappelais pas qu'on était resté sur ce combat là avant de partir la dernière fois. Mais autant pour moi. Un point de carburant. On va essayer d'encaisser un peu, tant pis. Profite du maximum de... Parfait, il n'y a plus d'armes. Bah voilà. Nickel. Putain, on démarre tout de suite la pression là. Merci. Donc... On venait de passer là-dessus, non? De toute façon, on n'a pas d'argent. Non, on venait d'y passer. Effectivement, on n'a pas d'argent. Donc là, le but, ça serait d'aller faire la petite 4K là, passer par le magasin, passer là, 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 là. Ah, il y en a deux sur le même secteur. On a du boulot, les amis. Donc, sans plus attendre, la suite. C'est parti. La bataille ne peut être évitée. Très bien. Ah, celui-là est coriace un peu. Hein. On tombe sur des vaisseaux assez casse-couilles. Il faudra que je répare mes capteurs. Moi. Mais il a combien de points de pilotage? Eh ben dis donc. Jusqu'au bout il encaisse le mec hein. Très bien. Oui bah ça se vendra très bien. Il faudra peut-être qu'on aille réparer du coup. Les capteurs, ça serait pas mal. Parfait. Le vaisseau est plutôt en bon état. Il pourrait être un peu mieux, mais bon, on va pas se plaindre. Changeons de secteur, parce que ce secteur-là, c'est juste un enfer. 9,1 de prime. Allez hop, on se casse! Nickel. Alors, bonjour. 5,7, c'est déjà beaucoup mieux. On n'avait pas visité certains de ces systèmes. Vous tombez sur un vaisseau bien armé portant les couleurs de pirates et voyez leur capitaine sur le pont. Avec un sourire diabolique, il se prépare à la bataille. Je vais lui en faire un de sourire, moi. Mais un peu plus bas dans le cou. Mais c'est quoi ce petit vaisseau de merde? Le truc a même pas de bouclier.
Non. Il fallait pas chercher la merde. Je n'accepte aucune reddition. Donnez-moi plus. Voilà. Je savais bien qu'on pourrait obtenir bien plus d'eux. Le trou noir, tant mieux qu'on l'évite, puisque de toute façon, ça consomme trop de carburant pour pas grand-chose. Il y a la guerre dans le secteur des Rakis, comme toujours. L'un des clans tente de s'emparer d'une vieille station Terticron établie pour surveiller les êtres conscients. Ils demandent votre aide et promettent de partager une partie de leur butin en retour. On va les désactiver. Vous pouvez facilement désactiver le système de protection en utilisant les codes d'accès de la station. Le chef du clan vous remercie de votre aide et vous remet une partie du butin de la station. Si c'était une station vide, on va pas se prendre la tête. En tant que Terticron moi-même, j'accepte que ça se passe ainsi. Allez hop, on va doubler le bouclier parce que là on a quand même affaire à un vaisseau assez balèze. Quoique, ça tombe tout seul ce vaisseau. Non ? Il fallait pas chercher la merde ! Après vous allez en plus dire que à quel endroit vous allez donner notre position. Je préfère ajouter de la prime, mais pas avoir d'emmerde. Tiens, bah on a bien fait de mettre le double de bouclier. Putain, ça cogne fort. Hein. Aïe! Juste un enfer. Notre ami de toujours. Parfait. Faudrait que j'aille me réparer un peu parce que. Le vaisseau prend cher. Mais quel enfer! Mais ça suffit! Mais foutez-moi la paix! Heureusement, ça nous rapporte quand même un petit peu, mais. Non, je refuse. Voilà. C'est bon ou il faut encore en buter de 4? C'est bon. C'est infâme. Allez, le signal SOS. Tous les cris des SOS. Attention. Recevez un appel de détresse d'une petite colonie minière. Les mineurs sont pris au piège après un effondrement et n'arrivent pas à sortir. Les Vellators ne répondent pas et les habitants ne savent tout simplement pas quoi faire. Vous devez les aider. Pour essayer. Vous essayez de dégager les décombres avec vos armes, mais vous ne faites qu'empirer la situation. Alors que les cris des mineurs s'estompent dans le grondement, les habitants vous considèrent comme un meurtrier. Feriez mieux de sortir de là. Pardon. La prochaine fois peut-être. Ceinture d'astéroïdes, je préfère la nébuleuse. J'ai pas envie que mon vaisseau prenne des dégâts. Y'a rien, c'est parfait. La boutique! Comment on se retrouve après tout ce temps? Hop, on en remet 6. Qu'est-ce qu'il a à vendre? Laser focalisé Terticron. Ah mais le prix que ça coûte, merci bien. On n'a pas besoin de membres d'équipage, en tout cas pas pour l'instant. Voilà. Ça coûte la peau du cul.
Je vais peut-être plutôt en mettre avec les... mes autres points. Qu'est-ce qu'on a ? Que des guerriers ou des opérateurs d'hyperpropulsion T-14, ça ne m'intéresse pas. Par contre, avec 400 points de ferraille, je peux me prendre un point supplémentaire ici. Le dernier point serait intéressant, surtout que je pourrais doubler, mais bon. C'est ambitieux pour l'instant. On va se contenter de ça. Allez. Donc pour être tranquille, il faudrait qu'on passe par... tac, tac, tac. Comme ça, c'est des coins qu'on connaît pas en plus. On va faire ça. Oh, très joli cette... ce background. Les Venators sont juste derrière vous. Le combat va être difficile. C'est ce qu'on va voir. Hop, j'ai oublié de mettre mon petit point d'esquive supplémentaire. Il n'y a pas de missile, donc mon... est-ce qu'il arrête... il arrête les tirs comme dans Faster Than Light, est-ce qu'il arrête les tirs de laser ? On essaiera ça sur un gros vaisseau. On laisse faire pour l'instant, je mettrai la furtivité si jamais je sens que ça passe pas. Si ça passe très très bien. Ou alors enlever l'oxygène dans leur pièce de merde là. Hop là. Merci, on a tué leur amiral. C'est parfait. Le même. Ah, mais lui, il a un lanceur de missiles, je crois. C'est du laser, ça, ou du missile ? On temporise. Donc, il fait sa saloperie, là. Oh là là, les brèches ! C'est beau à voir tout ça, c'est beau de les voir souffrir, on a bien fait de prendre les capteurs. Parfait. On a pas pris de dégâts, et c'est une très bonne nouvelle, et en plus ils nous refilent du carburant. Hop. Qu'est-ce qui nous attend ici ? La prime est très élevée, hein, on va pas se le cacher. Alors, vous tombez sur une vieille station service Taerticron, elle semble abandonnée depuis longtemps, mais le système d'amélioration du corps Taerticron fonctionne toujours. Vous pourriez vouloir faire quelques petits ajustements. 3 Taerticron sur le vaisseau cédé au signal étrange. Non, 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 non. Arrêtez avec ça. Entreprendre des améliorations. Dans la carrosserie, les contrôles techniques sont le passe-temps favori des Taerticron. Les machines de la station sont inspectées rapidement et améliorent votre état, c'est mieux. Ils améliorent quoi ? Juste le moral de mes troupes, c'est tout. Ils n'ont rien amélioré, sinon. On ne cédera pas au signal étrange. Recevez une demande de travail de coursier dans le système. Le paquet n'a pas l'air gros et doit être livré dans un endroit proche. Vous pourriez vouloir obtenir les détails. Bonne journée à toi, Salquet, Salcon. Nous avons besoin pour que les cendres du maire de notre colonie soient livrées dans sa patrie. Vous voulez gérer cela ? Allez, allons-y. Bien sûr, le Venators qui nous attendait. Qu'attendait qu'on finisse notre conversation avec les Tari. Ils commencent à devenir de plus en plus balèzes, les vaisseaux qu'on affronte.
Et il commence à avoir des améliorations. Ce qui ne devrait pas exister pour eux. Il n'y a pas d'armes, donc c'est parfait. Oh, ils sont en train de crever d'intoxication, là. Attends. Non. Fallait pas chercher la merde. Allez, crevez. Ah, ça se régène. Bah, tant pis. Tant pis. J'aurais gagné un peu plus si je les avais empoisonnés, enfin intoxiqués. Il y en a un autre. Ah ouais, ça joue avec tout ce que ça a sous la main. Esquive comme un gros sac. 50% d'esquive, le vaisseau. Il a tout foutu en hyperpropulsion. Il faut absolument qu'on lui poutre son esquive. C'est pas mal. Il est toujours à 50%. Nos boucliers tiennent plutôt bien les armes qu'ils ont. Non ! Y a pas moyen ! Vous avez qu'à pouvoir chercher la merde ! Allez, on arrose. On a du mal à faire tomber quand il y a beaucoup de boucliers. Hein. Voilà, quand même. Beaucoup de boucliers, beaucoup d'esquives, mais par contre très peu d'armes. Hein. Pouvoir se vendre des trucs, ça c'est cool. Alors attention, là on a affaire au boss. Normalement, on est suffisamment bien équipé pour tenir face à lui. Attention. En arrivant dans le système, des morceaux d'astéroïdes et des nuages de poussière spatiale brouillent vos capteurs. Regardez dans la brume et reconnaissez les contours d'un mineur de classe USG. On pensait que ces vaisseaux avaient été détruits lors des opérations fédérales de nettoyage. Vous êtes émerveillé de trouver une chose aussi rare et vous essayez d'obtenir le contact avec le vaisseau. Cependant, un missile énergétique explose à quelques mètres de votre vaisseau, ce qui clarifie la situation. Vous préparez vos armes pour la bataille. Ah oui, effectivement, il a une belle gueule en plus, ce vaisseau. Mais ça déconne pas à l'intérieur. C'est un vaisseau humain. Mais il est très joli, pourquoi on peut pas en contrôler un comme ça dans le jeu ? Quand est-ce qu'ils mettent des mises à jour ? Kernurtech. La petite musique. La musique est cool. Bon, on va laisser pisser pour voir pour l'instant s'ils activent des trucs. Il va sûrement activer des trucs. Ah, il a rien de bouclier. Par contre, il a beaucoup de coques. Mais rien de bouclier, ça c'est parfait. Ah, par contre, ouais, les armes, ça pique, hein. On va se mettre le double.
train de les déchirer, là. Et oh la vache, le nombre de modules d'armes qu'il a. Pourra pas réparer, voilà, c'est parfait. Risque rien, en fait ce vaisseau est assez facile. Hein. Voilà, parfait. Bon, on aurait pu les avoir en les empoisonnant ou un truc comme ça, mais bon, c'est pas grave. Oh là là, ça fait du bien ça. On n'est jamais allé dans ce secteur? Enfin, je crois pas. Un grand plaisir. Personne, nanana, vous partez en voyage. Bon. Sans pas qu'on soit déjà venu dans ce secteur. Il y a combien de primes? 4. Ouais, on commence avec un malus, un bon malus déjà. Bon. On va aller là. Je vois pas de magasin pour l'instant. Il y a un vaisseau ennemi qui vous attend dans le système. Ça va être un combat difficile, mais encore une fois, ne sont-ils jamais faciles? Chaque combat vous rapproche de votre objectif et celui-ci ne fait pas exception. Oui, oui, bon, ça se gère. Bon, il a des bonus, je suppose, le vaisseau, voilà. Hop. Petite compétence d'esquive. Ah, ils vont m'obliger à utiliser mon double. Vu la quantité de boucliers qu'il y a, je vais mettre ma surcharge. Sinon, on va éclater leur système d'oxygène. Hein. Oh, c'est parfait, ça. Ils peuvent tellement rien faire. Ah, il s'est barré. J'avais pas vu qu'il préparait son saut. Ça améliore le moral de mes troupes. On lui retombera, je pense, dessus. Ah, ça fait chier. Ah, pas, si j'avais pas essayé de les buter comme ça, ils se seraient pas enfuis. J'avais pas vu en bas qu'ils préparaient un saut. Capteur détecte un signal étrange. Il est trop difficile de déchiffrer sa structure, mais vous pouvez retracer son origine. Un signal mystérieux dans le secteur Itari. Ça pourrait être un piège. On va observer le signal. Signal s'est avéré être des informations psioniques cryptées. C'est ainsi que les anciens Etari transmettaient les données sur de longues distances, mais ces méthodes ont été perdues depuis longtemps. Et vous pourriez utiliser cette information. Bien sûr, un Venator, ce qui m'attendait. C'est les mêmes? Oui, c'est le même. Bien sûr, il revient tout réparer. Cette fois-ci, ils s'enfuiront pas. Non. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Voilà. Merci. Donc, notre quête est là-bas. Là, il y a vraiment un carrefour, on pourrait voir s'il n'y a pas un magasin. Parce que vous êtes entré dans le système, vous avez presque fini par entrer en collision avec un tas de débris Taerticron dans l'orbite de la planète. En regardant de plus près, vous remarquez une planète en ruine qui appartenait autrefois au Taerticron.
Qui sait quel secret elle renferme? Allez, on cherche. Vous décidez d'atterrir sur la planète. Quelques minutes après votre arrivée, vous recevez un mystérieux signal ressemblant à un message Tarticron crypté. Ouais, mais ça, ça pue du cul, ça. Ça pue du cul, ça. Si j'allume le Tarticron, il va buter un des membres de mon équipage et je peux pas me le permettre. En errant parmi les débris, vous parvenez à trouver... C'est presque comme si son emplacement changeait constamment. Quand même récupérer un petit peu de ressources. Je préfère ça que de tenter le diable. On n'a que 6 membres d'équipage, on peut encore en accueillir 2. Donc essayons de faire attention. Non, l'inverse. J'ai même pas besoin d'user mes compétences parce que là franchement c'est ridicule comme vaisseau. Ça devrait même pas essayer de m'attaquer ce genre de truc. Et en plus, je pourrais m'en servir pour celui-là, éventuellement. Non, c'est de la merde aussi. Voilà. Ah, notre vaisseau Tarticron, là... il arrache, hein. Il n'y a pas de magasin. Un pulsar. Je crois que les pulsars, ça fout la merde. On va faire ça. Pour l'instant, ça va. Le carburant, les ressources, tout va bien. Vous passez devant un petit vaisseau civil. Un étari à l'allure aristocratique vous salue et se présente comme un artiste salquet. Pour une raison quelconque, l'étari vous perçoit comme un vieux chien de l'espace, un chien de la casse de l'espace. Alors, il vous demande quoi dessiner. Vous vous asseyez et réfléchissez. Une histoire inspirante. Vous remémorez vos aventures et racontez à l'artiste une histoire merveilleuse. Il vous écoute attentivement, puis part dessiner. Quelques heures plus tard, il vous contacte à nouveau pour vous remercier de son inspiration. Ce n'est que le menu fretin, mais c'est quand même gentil. Merci. Ça fait quand même des ressources. Je prends. Alors, maquette. Très sympa, cette petite station. Il y a une balise Tarticron déjà active dans le système, il semble que vous soyez en retard. Les Etaris sont mécontents, mais peut-être que les Tarticron vous accueilleront chaleureusement. Utilisez leurs anciens équipements. Après la colonisation, les Tarticron ont laissé beaucoup de vieux équipements inutiles. Habituellement, ils les démantèlent pour en faire de la ferraille à vendre, mais votre ingénieur est arrivé juste à temps. L'ingénieur assiette plusieurs améliorations pour le vaisseau à des prix défiant toute concurrence et les installe sur votre vaisseau. Un bon ingénieur est un vrai bonheur pour un capitaine. Merci pour le module furtif amélioré. C'est depuis le temps que je le voulais. Oh, le magasin. Oh, c'est beau, ça. On commençait à se faire masse de caillasse en plus. Alors, on va commencer par ça. Je prendrai bien le dernier point de bouclier aussi. Ouais, on va prendre le dernier point de bouclier. Oh, on a assez! Allez, on fait ça. Paf! Il faudrait un ingénieur qui puisse doubler la charge. Parce qu'elle, malheureusement, elle ne double pas. C'est vrai qu'on avait accueilli Fanny récemment. Et à la pâche! Alors, qu'est-ce qu'il vend, le monsieur? Laser focalisé Tarticron, encore, hein, il le propose. Ça peut être une arme sympa. Émetteur thermique. Ça fait quoi ce truc-là ?